vibe and the vibe again. Allez, bonjour tout le monde, c'est Brom, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo tranquillou-quilou, d'accord. On est vraiment tranquille, pépère. Aujourd'hui, normalement, c'est du multijoueur, sauf que je n'ai pas eu l'occasion de tourner avec Falox parce que moi, je suis en congé. Lui, malheureusement, il n'est pas en vacances, il travaille jusqu'à 18h30 et puis on gère plein de choses aujourd'hui pour le serveur Arma 3 dont je vais vous parler juste après. Donc c'est vrai que ce fut un petit peu compliqué de tourner ensemble. C'est comme avec Simon, il partait en voyage, il part en voyage demain matin, donc c'est un petit peu compliqué de jouer avec lui, voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes donc en solo. Bah, ça fait pas de mal, ça fait que je retourne pour la première fois depuis que je suis rentré en solo sur Farming. C'est plutôt sympa, moi ça me fait plaisir de vous parler ici. Aujourd'hui on va parler un petit peu, vu que c'est une vidéo que je suis en solo, je me permets de parler d'Arma 3. Vous avez reçu une vidéo Arma 3 hier. Je sais pas du tout combien de vues elle a fait ni rien. Il faudrait que j'aille checker ça aussi. Quand on passe à travers les barrières, ça va falloir que j'évite de faire. Je vais essayer de regarder un petit peu combien est-ce qu'elle a donné. J'espère que ça a bien donné. Maintenant, je vais vous parler de tous les problèmes que l'on a eu depuis que je suis rentré, parce qu'il y en a eu un paquet. Je vous explique. Je suis rentré dimanche. Dimanche, moi, pendant les vacances, on m'avait dit oui, voilà, il y a ça qui se fait. On a mis des scripts, etc. D'accord, ok, si tu veux. Je rentre dimanche, je pose des questions et tout. Oui, il y a trois scripts qui ont été rajoutés. C'est trop bien, ça fonctionne de ouf, machin. Ok, je parle 2 minutes et puis 5 minutes après que je sois rentré, que je parle et qu'on me dit ça, j'ai 3 personnes qui viennent et qui me disent oui, il y a nos véhicules, quand je les ai mis dans mon garage, ils ont disparu, etc. Je dis ok. Bon, je vois qu'il y a des bugs, c'est génial. Je dis ok, ce sera pris en compte, machin. Oui, donc tous les véhicules en fait qu'on mettait dans nos garages une fois qu'on les avait achetés, donc si on rangeait dans le garage les véhicules, eh ben tout simplement ils disparaissaient pour toujours, donc ils n'existaient plus quoi. C'était vachement problématique du coup. Donc nous, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé pendant 2 jours ici à faire des remboursements sans arrêt pour des gens. Parce qu'il leur fallait de l'argent, etc. Donc je l'ai fait ça. Il nous a fallu 2 jours. Ah, d'accord, pardon. Je vais parler moins fort. C'est ma mère qui va dormir. Donc il nous a fallu 2 jours pour. Il nous a fallu 2 jours pour tout simplement tout remettre normalement. Donc pour régler le problème sur le serveur dev, parce qu'on a pris un serveur dev en compte aussi. Maintenant donc on a un serveur dev qui nous sert de régler tout ce qui est problème et de tout tester avant de le mettre sur le vrai serveur. Comme ça s'il y a des erreurs, on le corrige sur le serveur dev et on ne doit pas fermer le serveur officiel pour s'occuper des problèmes. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Donc ça c'est plutôt cool. Donc les 3 scripts qu'on a rajoutés, c'est un script Interpol. C'est un script Interpol donc qui permet de faire beaucoup de choses sur Interpol. Si on met quelqu'un sur Interpol, tout simplement on peut mettre le nom de la personne, le prénom de la personne, l'âge, la date de naissance, la couleur des yeux, couleur des cheveux, la taille, le poids, etc. Le motif, pourquoi est-ce qu'il est recherché, toutes ces choses là. Donc c'est plutôt vachement complet. Donc ça c'est un petit truc pour la police qui est rajouté et qui fait super plaisir. Moi quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, c'est trop stylé. Donc franchement j'étais super content d'avoir ça, franchement c'était vraiment top. Ensuite donc on a le script des pages jaunes et des pages blanches, c'est à dire des numéros de téléphone. Donc, maintenant pour vouloir envoyer un message à quelqu'un ou pour vouloir faire quelque chose avec quelqu'un, c'est-à-dire leur envoyer un message ou quoi, il vous faut le numéro de téléphone de la personne. Donc on a d'abord la carte SIM, c'est-à-dire pour récupérer son propre numéro de téléphone. Donc vous allez avoir un 06 que vous allez récupérer, qui va s'afficher, vous devez bien le noter. Ensuite vous devez mettre dans l'annuaire, vous devez mettre votre numéro de téléphone dans l'annuaire, c'est-à-dire dans les pages blanches. Comme ça, quelqu'un qui recherche pour vous...
pour vous parler, pour vous envoyer un message, il n'a qu'à enregistrer votre numéro de téléphone dans son propre téléphone, entre guillemets, dans sa tablette si vous voulez, en allant chercher votre numéro dans l'annuaire, tout simplement. Il y a les pages blanches, c'est-à-dire pour les numéros privés, et il y a les pages jaunes, c'est-à-dire pour les numéros des entreprises. Police par exemple c'est 117, etc. Donc ça on sait à ce moment-là, c'est comme les entreprises qui sont déclarées, par exemple Baggy, le téléphone ce sera, je sais même pas quoi, mais enfin bref, il y aura un numéro de téléphone pour l'entreprise de Baggy qui sera noté sur les pages jaunes, etc., etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai déjà fait le truc, ça fonctionne très bien. Donc il faut mettre le numéro de téléphone, le sujet, et puis voilà, marquer si on l'envoie en privé ou par en message pro. Message pro c'est avec votre entreprise, par exemple 117 ou la police. Donc c'est vachement sympathique, en plus on peut faire quelques trucs, on peut gérer la manière dont on peut écrire le message et tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc franchement ça rajoute un script aussi vachement cool. Ensuite, dernier script qu'on a rajouté pour le moment, non il y en a encore un mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionne encore actuellement, je pense pas qu'on l'ait mis. Prochain script c'est les plaques d'immatriculation des véhicules. Maintenant, donc, les véhicules, si la police recherche, trouve un véhicule, par exemple abandonné ou quoi, il a qu'à faire un petit rechercher, donc rechercher la carte grise, et là il y aura la plaque d'immatriculation qui va s'afficher. La plaque d'immatriculation, on note bien, on retourne au commissariat. Au commissariat, on a un ordinateur fonctionnel, donc on tape le nom de la plaque, et là, à partir de là, on a le numéro, on a le nom de la personne qui sera recherché. C'est quelque chose qui est complet, qui est plutôt bien et qui est assez réaliste, je veux dire. C'est la première fois. C'est quelque chose qui rajoute du réalisme dans tout ce bazar. C'est plutôt sympa, je trouve. Pour ma part, je trouve que c'est vachement sympathique. Voilà, ça c'est pour les scripts, sauf que le script d'immatriculation, il a été mal installé la première fois. Il y avait un double guillemets, je pense, qui était là alors qu'il ne fallait pas. Donc les véhicules disparaissaient des garages quand... tout simplement, les véhicules disparaissaient des garages quand on les mettait, quand on les rangeait. Donc c'était un petit peu problématique, ça a été réglé aujourd'hui. Il y avait des problèmes aussi avec les pompiers, donc quand quelqu'un appelait de l'aide, il n'avait pas de marqueur sur la carte pour savoir où ils étaient. Donc c'était vachement... c'était un très très gros problème aussi. Ça a été réglé aussi aujourd'hui. Donc il y a quelques bugs qui ont été réglés. Enfin, clairement, il y a des bugs qui ont été vraiment réglés. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut mettre votre jeu à jour, bien évidemment. Il faut mettre votre jeu avec le DLC. Enfin, il faut pas avoir le DLC. Il faut mettre votre jeu, la mise à jour du DLC, quoi, si on veut dire. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant qu'il faut mettre votre jeu à jour. Il y a des modes qui vont encore arriver, du mapping qui vont arriver actuellement. Il y a du mapping qui a été fait dans Kavala, chez la police, etc. Pourquoi est-ce que... je sais pas pourquoi mon jeu a freeze, mais c'est pas grave. Donc dans Kavala et tout, il y a du mapping qui a été fait. C'est plutôt cool. La place a été remodifiée, ce qui donne vachement... ce qui donne plus de vie. Donc c'est vachement sympa d'ailleurs. Voilà, tout ça pour... dire ceci. Donc, c'est plutôt cool, je dois dire. Le 29, je sais pas du tout comment il est. Est-ce qu'il est coupé? Oui, il est coupé. On va juste l'en donner du coup, lui, comme ça on viendra recharger de l'herbe. Comme ça on aura du foin ici, on aura de l'herbe en vrac là-bas. C'est plutôt une bonne idée, je pense, de faire ça. On descend jusqu'au 20. Okay. Donc voilà, c'est vrai que tous ces problèmes-là ont été résolus. C'est plutôt sympa, franchement, parce que ça faisait 2 jours que je suis revenu dimanche et des bugs jusque dimanche. Là maintenant, franchement, je prends du plaisir. J'étais en civil maintenant, parce que maintenant, je vais vous dire que je vais aller en civil. Je vais vous faire des vidéos en civil aussi. Comme ça, vous êtes au courant que des vidéos en civil vont arriver. Très 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 prochainement, peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs, ce sera du civil. Voilà, ça va me varier. Je vais aussi peut-être aller en pompier un peu. Merde, pardon. Je vais aussi essayer d'aller en pompier. Essayer de vous filmer ma formation. C'est vrai que soi-disant, j'ai pas de formation requise pour pouvoir être pompier, donc je vais faire la formation comme ça, j'aurai le droit d'aller. Voilà, tous des trucs comme ça qui
qui sont plutôt sympathiques. Hop. Hop. On va juste refaire ça, nous. On va refaire ça un petit peu. Donc voilà, ça c'était pour vous parler du serveur à main 3, des avancements. Voilà, c'est vrai que les scripts, ça arrive petit à petit. Il y a des modifications qui arrivent, des mappings qui arrivent. Il y a un deuxième mapper donc, qui arrive dans l'équipe, donc, qui fait du très très beau travail. L'armée va être mise en place aussi, qui est quasi terminée. Enfin, ça avance, l'armée. Voilà, tout ça se met en place, etc. Il y a aussi un dev qui nous aide vraiment beaucoup, qui règle beaucoup de problèmes, qui gère à faire beaucoup de choses. Là, tous les shops véhicules qui manquent, il va les faire. Il y a aussi deux autres personnes qui viennent nous aider pour installer les scripts, pour gérer aussi parfois quand on a des problèmes qu'on ne sait pas trouver nous-mêmes avec notre dev, qui viennent nous aider pour trouver les erreurs. C'est vachement cool. Franchement, c'est super cool. On a enfin une équipe qui tourne là maintenant. Franchement, ça fait plaisir. Bon, il y en a toujours qui sont moins présents, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie privée avant. Hein. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Voilà, donc ça c'était pour vous dire un petit peu les avancements de l'Arma 3. N'hésitez pas à rejoindre. Le forum est dans la description, comme d'habitude. Mon site internet aussi est dans la description si vous voulez avoir des modes farming, des modes de TS2, des modes Obsidian, etc. Mon site est dans la description. Il y a aussi, voilà, il y a aussi le Discord si vous voulez rejoindre Discord. Voilà, c'est vrai que je ne dis pas souvent, mais n'hésitez pas à rejoindre Discord. On parle de temps en temps et tout ça. J'essaie de venir en vocal. Aujourd'hui, j'étais en vocal, mais il n'y avait pas grand monde. Du coup, c'est vrai que je suis un petit peu plus sur TS, mais je vais essayer de revenir en vocal sur Discord pour parler avec vous. Voilà, on fait du Fortnite ensemble, on fait plein de trucs, c'est super cool. On s'amuse comme des petits fous. Voilà, voilà. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Vous savez tout ce qui se passe actuellement sur le serveur. Sur le serveur et aussi sur Discord et tout ça. Donc voilà. Voilà. Vous êtes au courant de tout, les amis. Donc voilà, voilà. Bon, bah ici, ce sera pas mal. Hein. On fait ça et puis on aura fini tranquillement. C'est vrai que je parle doucement, mais c'est normal, ma mère dehors. Hop là. Mon casque s'enlève. Hop. Maintenant, on va faire des allers-retours comme ça, je pense. Ce sera plus propre. Pour ce qui est de la chaîne, bah, ça avance bien. Toujours autant de motivation pour faire les vidéos. Ne vous inquiétez pas. Toujours de la motivation à fond, c'est vraiment super super sympa de tourner. Je prends un super plaisir, juste une série le mardi, je sais pas encore ce que je vais faire. C'est vrai que la série, j'ai plus trop envie de la faire sur farming, parce que ça fait je pense que ça fait trop de farming. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire autre chose que du farming le mardi, parce que c'est vrai que c'est problématique. Et là t'as Siberian qui m'envoie un message en disant que monsieur Luca Gordon a encore supprimé des choses. Non, j'en sais rien, j'espère que non, parce que sinon je vais péter une gueule, hein. Voilà, parce que avec le deuxième mapper, c'est vrai qu'avec Luca qui a l'habitude de travailler seul et de faire tout à sa manière, il a du mal de travailler en groupe. Voilà, il a un petit peu du mal de s'adapter au groupe et de parce que c'est vrai qu'on est une équipe et voilà, c'est vrai qu'on est soudés quand même, on s'entend tous bien, etc. Mais il faut pas que ça parte en couille parce que on respecte pas certaines choses. Donc, on s'était dit d'accord que telle personne fait telle personne et on ne touche pas à ce que l'autre a dit. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, on ne touche pas à ce que la personne fait. C'est comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Que dire de plus ? Dire de plus, ben voilà, pour ce qui est des séries d'un coup, le mardi, je sais pas encore trop ce que je vais faire. J'hésite entre repartir de temps en temps sur du speed tir, sur du sur autre chose, sur quelque chose qui est différent de farming. Voilà, j'ai de toute façon farming, je pense que je vais arrêter le mardi parce que moi, si je prends pas de plaisir à faire la série, ça sert à rien de vous la faire. Ça c'est mon point de vue.
Si je prends plus de plaisir à faire la série, alors autant l'arrêter plutôt que de m'obliger à faire quelque chose en n'étant pas sincère. Voilà, simplement. Donc c'est pour ça que peut-être que je vais arrêter la série Farming le mardi et qu'on va repartir sur du Spintir, enfin, un petit peu le jeu auquel j'ai envie de jouer à ce moment-là, quoi. Vraiment le jeu auquel j'ai envie de jouer ce jour-là, à ce moment-là, où je me dis ok, je tourne. Pourquoi pas du SimCity de temps en temps, enfin, tous des trucs comme ça, quoi, des petits jeux qu'on voit pas souvent sur la chaîne, des petits gameplays par exemple, des trucs comme ça. Ça peut être sympa, ça peut être cool de changer un petit peu d'air. Parce que farming tout le temps, trop sur la semaine, je pense que ça vous déplaît aussi. Voilà. Et je pense que j'ai raison parce que le mardi, il n'y avait pas grand monde qui regardait les vidéos. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être mieux de l'arrêter. C'est peut-être mieux de l'arrêter. Les autres vont rester, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Les autres séries restent. La série solo reste. La série multi, donc comme celle-ci, qui sera, mais voilà, qui va être réglée. Qui sera en multijoueur à partir de la semaine prochaine si tout va bien, reste bien évidemment. MC2 ça reste, TS2 ça reste, tout ça. En plus, je reprends beaucoup de plaisir à rouler sur TS2. J'ai roulé tout à l'heure, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à rouler, ça m'a fait vraiment super plaisir, c'était vachement cool. Donc, oui, je prends énormément de plaisir à jouer, c'est vraiment c'est vraiment cool. MC2 aussi, je roule beaucoup plus qu'avant, donc voilà, c'est toujours la patate. En plus, j'ai trouvé, enfin la map, je l'adore, Crayfac, là sur MC2. J'ai retéléchargé quelques petits modes bus suite à ma désinstallation, réinstallation du jeu complet. Donc voilà, j'ai quelques bus qui sont connus, mais voilà, qui sont sympas, quoi, et que j'aime bien. Donc voilà, je vais vous les remontrer. Par exemple, le Lion Coach, les Mercedes-Benz Capacity, les Solaris sur Bino, tout ça, quoi. Tous ces bus-là, que clairement en vidéo, ben, je remarque qu'on les voit plus énormément en fait. Donc maintenant, c'est des vidéos, dans les vidéos, c'est des bus spéciaux, des bus plus inattendus qu'on ne connaît pas. C'est vrai que retourner de temps en temps sur des bus un petit peu plus connus, ça fait pas de mal à une mouche. Bon, ben voilà, ça fait 17 minutes de vidéo, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ce beau 7730 là, avec le petit cune de base. J'ai pas encore acheté quelque chose. Prochaine chose qu'on s'achète, personnellement, ce que je m'achète, ce sera. Est-ce qu'il est. Je pensais ça. Voilà, pour 70 000, il faut qu'on trouve moyen de gagner 70 000 boules. Oui. Ou alors, est-ce qu'on a des plateaux dans le garage? Est-ce qu'on a un plateau? On n'a pas de plateau. On n'a pas de plateau, on n'a pas de chargeur. Ah, bien que. Ah, si, on a un chargeur pour la balle. Je sais pas où il est, mais on a un chargeur. Du coup, il nous faudra un plateau. Plateau, c'est 11 000. 11 000 pour celui-là. Oui. Et le plateau. Le chargeur, il est où? Ok, il est à la fin. Bon, on va peut-être faire ça du coup, s'acheter un plateau et mettre le bâti de chargeur avec la fourche à balles pour monter sur les plateaux. Ça, on va pouvoir nourrir tout ce bazar. On a encore plein de trucs à acheter. En faucheuse, on a des gender à acheter. En endonneur, on n'a pas, mais en autochargeur, on n'en a pas non plus. En presse à balles, on a des nouvelles presses, des grosses presses à acheter. Des trucs à augmenter, etc. En chariot télescopique, pareil, je pense qu'on en a acheté aussi. Enfin, ouais. On a des trucs à acheter. Les animaux, on a 2-3 modes à acheter aussi. On a plein de tracteurs à acheter. Regardez-moi tous ces gendarmes qu'on pourrait acheter. On va pouvoir acheter. Pareil pour les moissonneuses, pareil pour l'ensileuse. Plein de choses à acheter. Bien. Plein de choses à acheter, clairement. En benne, on a aussi une JD là, une énorme Legendaire. Voilà, il faudra acheter tout ça, quoi. En chariot, on a une JD aussi. En cultivateur, on n'a pas de Legendaire par contre. En épandeur, on a un épandeur comme ça. Semoir, on l'a déjà pris.
L'infini, on a un mode aussi. Le lazy, on a des modes aussi. Voilà, on a quand même quelques trucs à faire. On a des palettes, on a des trucs. On a plein de trucs à acheter. On a plein de trucs à acheter, les amis. Enfin bref, voilà. On n'est pas encore fini. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas donc à rejoindre le Discord, aller voir le forum, etc. etc. On va se laisser sur cette belle image du 7730. Moi je vous dis, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Borom. Allez, à plus. Plus.